amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous lire une bande dessinée qui date des années 80 intitulée Top 1 Fais la soupe. Alors elle appartient à la série À grands pas, livre scolaire de l'enseignement primaire au Maroc. Alors elle est destinée à la 4e année primaire plus précisément. Commençons. Une petite fille et sa maman habitent une pauvre maison dans une petite ville. Elle ne mange que de la soupe. Elle ne mange jamais de viande, ni de fromage, ni de fruits. Quand la maman et sa fille ont faim, elles prennent leur marmite, elles la mettent sur le feu. Top 1, fais la soupe. La marmite répond, d'accord. Et la marmite commence à bouillir. La petite fille dit à sa maman, « Maman, j'ai faim !» La maman répond, « Un moment, ma fille !» La maman demande à la marmite de s'arrêter. « Top 1, arrête !» La marmite s'arrête et fait, « Tchhh !» La marmite s'arrête. La maman et sa fille se mettent à table. Elles mangent la bonne soupe du top 1. Elles sont très heureuses. Un homme riche, très riche, habite près de la maison de la pauvre famille. Sa maison est très belle. Il a des tables, des chaises, des fauteuils, des tapis et plein d'autres choses. Mais cet homme n'est jamais content. Ce matin, il se promène dans la rue. Il passe à côté de la maison de la pauvre fille et sa maman et entend par la fenêtre « Top 1, fais la soupe !» Quoi ? Quoi ? L'homme regarde par la fenêtre et voit la marmite qui boue. Quelle bonne odeur ! Je vais demander à la dame de me vendre sa marmite. Il frappe à la porte. La dame l'ouvre et il lui dit « Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me vendre votre marmite ?» La dame répond « Non monsieur, je ne travaille pas. C'est Top 1 qui travaille pour moi et ma petite fille. Je vous donnerai beaucoup d'argent. Non monsieur, je ne veux pas. » Alors, l'homme s'en va en disant « Je veux cette marmite, je veux cette marmite, je veux cette marmite. Je vais attendre que la dame et sa fille sortent. J'entrerai par la fenêtre et je prendrai la marmite. » Pendant ce temps, la maman et la petite fille ont mangé leur soupe. La petite fille dit à sa maman « Qu'allons-nous faire, maman ?»« Si tu veux, allons nous promener en ville, » répond la maman. L'homme riche les surveille par la fenêtre en disant « C'est le moment. » L'homme sort de chez lui, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne dans la rue. Il saute par la fenêtre, il prend la marmite, il la cache sous son manteau. Il rentre vite chez lui. Il va dans la cuisine. Il allume le feu. Il ordonne à la marmite de faire la soupe. Top 1, fais la soupe. Et la marmite commence à bouillir. Quelle odeur! Ah, je vais bien manger. La petite marmite boue, boue, boue. Mais comment la faire arrêter? L'homme a oublié. Il essaie de l'arrêter. Top 1! Top 1! Très vite, la soupe commence à déborder. Elle coule sur la cuisinière. Maintenant, elle coule par terre. Et la marmite continue à bouillir. L'homme prend la marmite et la met loin du feu. Mais la marmite continue à bouillir. La soupe continue à couler, elle passe sous la porte.
L'homme riche est en colère. J'ai trop de soupe, j'en ai assez, je n'en veux plus. Il y a maintenant de la soupe dans l'escalier. L'homme court à droite, à gauche, il a de la soupe jusqu'aux genoux. Le voleur crie « Au secours, au secours !» Il appelle à l'aide par la fenêtre. « Arrêtez la marmite, arrêtez la marmite !»« Je donnerai de l'argent à celui qui arrêtera la marmite !» Au secours! Au secours! La petite marmite continue à bouillir. Les gens dans la rue étonnés et se demandent « Qu'est-ce qui arrive? Il y a de la soupe partout !» La maman et la petite fille reviennent chez elles. La petite fille sent l'odeur de la soupe. « Maman, tu sens? C'est la soupe de top 1 !»« Quoi ?»« Regarde !» « Il y a de la soupe dans la rue, » dit la petite fille. La maman et la petite fille courent vers leur maison. Elles voient l'homme riche à la fenêtre, crier « Au secours! Au secours !»« Je suis noyée dans la soupe !» Et la marmite continue à bouillir. L'homme riche voit la maman et la petite fille prend la marmite et la jette par la fenêtre. La petite marmite continue à bouillir encore. La maman demande à la marmite. Top 1, arrête-toi et vite. Aussitôt, la petite marmite s'arrête. Le voleur regrette d'avoir volé la marmite. Prenez votre marmite, prenez-la. Je ne veux plus voir cette soupe. Je ne veux plus jamais en manger. Vous n'avez pas honte, misérable, de voler ma marmite ? Dit la maman. Laisse-le, maman, il a été assez puni comme ça, dit la petite fille. La maman et la petite fille reviennent chez elle. La petite marmite a retrouvé sa place. Un jour, l'homme riche vient les voir. Tenez, voilà un cadeau. C'est de l'argent. « Gardez votre argent, je n'en veux pas, » dit la maman. « Je vous en prie, prenez-le et pardonnez-moi. » La maman accepte enfin et dit « Merci, monsieur. » La maman et la petite fille ont acheté une jolie table, des assiettes et des chaises. Maintenant, tout le monde les connaît. Et leur soupe est bonne, très bonne. Beaucoup d'amis viennent en manger. Une seule personne ne vient jamais, l'homme riche. C'est la fin de l'histoire, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.